problème que j'ai remarqué, j'ai fait une vidéo là-dessus hier ou avant-hier, c'est que les gens cherchent avec les mots là, bourse d'études en musique, bourse d'études musicologie, c'est mauvais. Tu ne vas pas trouver beaucoup. Si tu trouves même peut-être que c'est une bourse partielle. Il ne faut pas chercher des bourses d'études en art, il ne faut pas chercher une bourse d'études art. Il faut chercher une bourse d'études de gouvernement. Dans tous les gouvernements, c'est les bourses d'études de toutes les universités qui sont accréditées par ce gouvernement. Donc, si tu obtiens, tu trouves une université où on fait la musique, où on fait de l'art dans ce pays-là. Si tu as la bourse là, tu fais art là. Il ne faut pas mettre sur Google bourse d'études en musique. Si tu trouves, tu as trouvé trois. Mais si tu trouves les universités où on étudie la musique, en Hollande par exemple, tu as trouvé plein d'universités. Cherche maintenant la bourse d'études du gouvernement hollandais. Et puis tu mets les noms de ces universités-là dans ton application, dans ta demande de bourse. Il ne faut pas chercher bourse d'études en boxe, en sport, en football. Cherche les universités où on joue au foot. Cherche les universités où on fait sciences naturelles dans le pays qui t'intéresse. Quand tu as fini là, cherche la bourse du gouvernement de ce pays-là. Ou même les bourses d'organisation qui couvrent ce pays-là. Eux, c'est eux qui payent l'école. Toi, c'est toi qui étudies. Donc, c'est ce qui est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Ah, je ne trouve pas bourse d'études en sciences agricoles. Bon, toi-même, à qui tu étais, tu n'as jamais une sciences agricoles, bourse d'études. Non, même bourse d'études, je ne sais pas moi, Robert Banzio, je ne sais pas. Mais c'est pour les étudiants en agriculture. Donc, tu cherches l'université et dedans, tu vas voir souvent dans le site les filières, les formations qui sont acceptées. Donc, moi, je fais reverse engineering. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Je ne cherche pas la bourse du pays. Je cherche les écoles, les universités où on étudie ma filière. Quand j'ai trouvé ça, je cherche quelle bourse couvre cette université. Quand j'ai trouvé ça, comment on postule à la bourse là? Voilà, je n'ai pas fini de parler du conservatoire. C'est pas ça qui est là. C'est là, non? Voilà, le conservatoire. En français, c'est en anglais. Kyoto University. Et celui-là, il était là-bas. Il a dit les enfants, groupe, ou guitare là. Vous faites quoi ça même? C'est groupe comme ça, hein? C'est comme là. Orchestre. Et... Non, l'enfant là, il a la foi. Hein. Comment c'est que vous voulez tout comme ça dans les télés? Donc, c'est les écoles ici, tu vois. Là. Ah, c'est Aichi, Tokyo, c'est les villes. Kyoto University of Music and Art, tu vois. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, je cherche la bourse du gouvernement japonais qu'on appelle MEX. Quand tu vas aller là-bas, tu vois la liste des universités. Mr. Baptiste Heinz, voilà le parlementaire. Lui, il est élu à l'Assemblée nationale, au Parlement en France. Merci, lève-toi, pardon. Voilà, mon invité d'honneur aujourd'hui. Donc, vous l'avez vu sur les photos sûrement sur Facebook. On a une rencontre d'échange. On est en train de travailler sur beaucoup de collaborations de ces universités au Japon, en France, pour venir en Côte d'Ivoire, bien pour partir là-bas, pour permettre d'étudier grâce à cette collaboration-là. Donc, Baptiste Heinz, il fait beaucoup de choses dans la communauté française ici. Donc, je te laisse te présenter en introduction. Voilà, vas-y, tu as 2 minutes. Ok, donc le Conseil des Français de l'étranger pour la Côte d'Ivoire et le Libéria. C'est comme un adjoint au maire pour les Français qui vivent en Côte d'Ivoire et le Libéria. Et j'ai été élu ensuite à l'Assemblée des Français de l'étranger. J'étais encore en session la semaine dernière, qui est en fait l'Assemblée qui représente la diaspora. Toute la diaspora, les 3 millions de Français qui vivent à l'étranger. Et donc là, je représente toute l'Afrique occidentale, du Cap-Vert au Bénin, de Mauritanie, au Niger. Enfin voilà, tout ce bloc-là, je le représente à l'Assemblée. Localement, il y a quelqu'un qui est arrivé au Japon là-bas, qui a parlé le japonais en 1 an. Donc, l'école ne veut pas nous faire sortir de l'école de langue avant 1 an, 6 mois. On doit faire au minimum 1 an, 6 mois. Ok, les Aïcha que vous avez vu ce matin, Cindy, elles vont faire au minimum 1 an, 6 mois. Maintenant, tu ne payes pas toute la scolarité de 1 an, 6 mois. Le premier coup que tu envoies là, c'est 1 an. Et puis 6 mois, c'est quand tu seras arrivé là-bas, tu vas payer. Donc, 1 an de 1 an, 6 mois là, c'est 3 900 000. Maintenant, nous, tous ceux qui viennent chez nous, les Aïcha, les René, ils vous aiment tout à l'heure, là, on leur dit de prendre 100 dortoirs. Pour quelques raisons sociales. C'est les dortoirs. Ok, souvent, la cuisine est partagée, la douche, elle est partagée. Tu arrives, tu as comme co-mates, comment on dit ça, co-locataire, voilà. Un petit qui a quitté, c'est pas moi, au Vietnam, dans la communauté, il y en a entre un asiatique, tu vois. Il y a Vietnam qui utilise la même douche que toi, les Chinois, ils sont très simples, ils utilisent la même douche que toi. Donc, vous êtes là, toi, tu nettoies, tu fais ton effort de petit africain, tu vois, déjà, j'ai noir même, c'est bizarre. Tu nettoies, lui, il ne nettoie pas, ton cœur chauffe. Tu es en train de laver tes poils, plus bien qu'il rase, il laisse les poils poils. C'est long, c'est là comme ça. Tu viens de manger. Donc, il y a un petit mouvement où on n'est pas trop, tu vois. Donc, nous, on dit à ceux qu'on coach, c'est bien, mais si tu peux faire sortir l'enfant dès qu'il arrive, nous-mêmes, on peut le. Donc, quand ils arrivent, ils sont 2-2. On dit René qui est parti avec Yapoma, qu'ils ont pris leur maison, ils partagent le loyer.
Donc, quand vous venez, l'école de langue vous encourage. Eux-mêmes vont trouver les jobs étudiants pour vous. C'est-à-dire qu'au Japon, quand tu arrives à l'aéroport, ce n'est pas comme dans nos pays francophones. Il faut partir à la préfecture un jour après, deux semaines après pour avoir ton papier. Dès que tu arrives à l'aéroport, on te donne ta carte. Ok, c'est la carte, comme on dit, carte consulaire. Voilà. On appelle ça Zanryo card en japonais. Carte de résident. Dès que tu prends la carte, avant de sortir de l'aéroport, tu as ta carte. Aucun policier ne peut t'arrêter pour te donner ta carte. Quand tu es venu pour durer, si tu es touriste de 3 mois, on ne donne pas de carte. Mais quand c'est 2 ans, 1 an pour étudier, dès que tu sors de l'aéroport, avant de sortir, tu as ta carte dans l'aéroport là-bas. Tu prends la carte, le lendemain, tu vas à la mairie, on te met un cachet derrière pour te dire que tu peux commencer à travailler. Donc dès que tu arrives au Japon, maximum 2 semaines, parce que pour celui qui a t'embauché, il va te demander ton compte bancaire pour pouvoir faire tes versements chaque fin du mois. Alors que le compte bancaire, il va te prendre 3-4 jours pour faire. Donc techniquement, tu peux travailler, mais une petite procédure pour avoir un compte en banque. Quoi.